Bonjour et bienvenue à ce 101e épisode de Lightroom Retouche Express. J'ai hésité à en faire un, un 101e, parce que la, la, la centième était tellement aboutie que je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de continuer Mais bon, on va continuer quand même les retouches express. Si vous n'avez pas vu la centième, allez la voir. Alors on va travailler sur cette photo, on va essayer de faire un noir et blanc, un peu, un peu punchy, comme d'habitude, si vous aimez, un petit pouce en l'air, comme ça, ça permettra à d'autres personnes de découvrir oui photo. Alors qu'est-ce qu'on va faire Bon, on va traiter ça en noir et blanc, bien sûr, on va retirer des éléments parasites, je suis pas fan du tuyau qui est là, je suis pas fan du du petit petit truc en métal qui est là, on va redresser un peu les murs. C'est une photo qui a été prise dans une, une, une vieille une vieille usine qui est devenue pour l'instant un un atelier d'artistes et euh, je suis passé devant et euh, les gars ils m'ont permis de rentrer pour prendre des photos donc euh, on va travailler avec ça alors qu'est ce qu'on va faire on va d'abord redresser avec repère donc moi je veux que la séparation ici d'accord qu'on a là entre les deux soit bien droite voilà je veux que le socle ici parce qu'en fait ça représente plus ou moins un socle pas mal je veux que le tuyau là soit droit alors vous allez me dire il l'est mais je le précise quand même et je vais ensuite dire que je veux que cette partie là soit à droite et là voilà j'ai redressé j'ai quelque chose d'un peu plus droit euh, ensuite ce que je vais faire je vais euh, virer des éléments parasites donc je vais virer euh, le truc qui est là donc ça euh, je prends simplement euh, ici une, une correction euh, une correction des défauts là voilà quelque chose comme ça et je vais simplement passer dessus voilà et il va aller me prendre une zone un peu plus loin euh, qui me va très bien terminé voilà et ensuite j'ai dit que je voulais m'occuper du tuyau qui est ici donc ça je vais le faire par petite, par petite touche c'est à dire que je vais d'abord m'occuper de la partie on va dire claire ici donc là il me prend bah, une, zone, une zone à côté Ensuite, je vais m'occuper de la partie ici en allant prendre une zone par là que je vais remonter pour que ça soit bien aligné. Quelque chose comme ça. Et ensuite, je vais aller m'occuper de cette partie-là ici. D'accord et cette partie-là, je vais aller prendre une zone là-haut, puisque c'est du mur, c'est le même mur à part que là il est dans une autre couleur. Donc je vous rappelle que la correction des défauts va reproduire euh, la texture, mais va pas changer la couleur. Hein. Voilà. Très bien. Donc là j'ai viré mes éléments parasites. Alors en noir et blanc, il faut regarder, là j'ai du rouge, d'accord. Euh, là j'ai une espèce de jaune, là c'est du gris. Donc on va passer en noir et blanc. Euh, noir et blanc. Euh, l'adobe monochrome mira très bien je vous rappelle qu'on a euh, maintenant euh, des profils et vous avez euh, différents profils noirs et blanc si vous voulez euh, en choisir en choisir d'autres d'accord mais euh, l'adobe monochrome moi euh, de base euh, va bien c'est plutôt moi qui vais travailler mon, mon noir et blanc donc qu'est-ce qu'on a vu Là le, on voit que le briquet il est un peu pâlo, les, les bords ça serait mieux qu'ils soient un peu plus sombres, euh, ça serait pas mal aussi que la femme soit un peu plus claire. Là c'est intéressant que les couleurs soient pas totalement noires, donc euh, là c'est du rouge, euh, donc si, si on le rend gris, le briquet deviendra gris, donc il faudra peut-être repasser un peu sur le briquet euh, derrière. Pour l'instant, on va regarder un peu plus, euh, un peu plus tout ce qui est, euh, ce qui est niveau de, de tout ça. On va augmenter les contrastes, on va augmenter un peu euh, l'exposition, on va augmenter un peu euh, la clarté et on va peut-être augmenter encore un peu les blancs. Quelque chose comme ça. Voilà. On commence, on commence à être un peu plus. Euh, un peu plus punchy comme noir et blanc. Ensuite, euh, donc ces coulures-là, là, je veux qu'elles soient plutôt euh, grises. Donc là, c'était le rouge. Alors j'ai deux solutions soit, euh, soit j'assombris le rouge ici pour que le briquet soit bien dessiné, mais ça, à ce moment-là, ça devient tout noir. Soit j'éclaire le rouge ici pour que ça, ça devienne gris, ce que je veux. Et euh, ici, je vais me retrouver avec un briquet qui est un peu gris aussi. Donc il faut que je choisisse. Euh... Il faut que je choisisse. J'aurais tendance à dire que si je rends ça noir, ça sera plus facile de rendre ça un peu plus clair. Alors on va essayer. Donc on va rendre le briquet un peu plus noir. Je veux qu'il soit bien noir. Et ensuite, ici, là, je vais prendre un pinceau de retouche. D'accord Et je vais simplement passer ici sur la coulure. Quelque chose comme ça et je vais monter les noirs. Vous voyez, voilà. Donc vous voyez, tout noir, plutôt gris. D'accord. Donc là, ça me va pas mal. Quelque chose comme ça, ça me va pas mal. Et je vais faire la même chose là où je vais passer ici pour que ça soit un peu plus gris. Puis ensuite, je peux éventuellement, vous voyez. Monter un peu aussi l'expo par là, ça me va pas mal. Le seul point qui me va pas, c'est. Alors, on va, on va faire ça euh, détaillé. Hein. C'est-à-dire que euh, si je passe en 1-1, alors j'appuie sur barre d'espace pour bouger. Vous voyez, avec l'exposition ici, là. Alors, j'appuie sur Alt. Et là, voilà. Juste au bord, là, ça donne un petit truc un peu plus clair que je vire. Terminé. Donc là, ça me va pas mal, c'est devenu gris, c'est pas uniformément euh, noir. Euh, le briquet, j'aimerais bien que la flamme soit éventuellement un peu plus claire. Donc là, je vais prendre à nouveau un pinceau de retouche. D'accord Je vais augmenter euh, simplement un peu l'exposition. Et je vais prendre un contour progressif qui est peut-être un peu moins grand. Voilà. Et je vais simplement... Alors là, c'est un peu trop... Hein. C'est un peu trop mais on verra après. Je vais baisser un peu le, la taille pour passer là dans la flamme. Donc là c'est un peu trop clair ou alors je vais mettre un peu plus de texture. Voilà. Et baisser un peu l'exposition, quelque chose comme ça. Voilà, comme ça j'ai une flamme qui est, qui est un peu plus claire. Euh, J'aime bien. Euh, ensuite euh, le dip là pour être un peu plus blanc aussi. Donc là, c'est pareil, vous pouvez prendre euh, simplement... Euh, un pinceau de retouche et puis euh, en mettant un peu plus de blanc puisque je veux que ça soit un peu plus blanc ben, c'est ce qu'on va faire et vous repassez simplement sur la zone voilà quelque chose comme ça donc vous voyez ici je peux faire plus blanc moins blanc ok donc le dip il était un peu plus blanc c'est très bien comme ça et il y a éventuellement après ici cette espèce, de, cette espèce de trait là. Alors, on peut, on peut le faire avec. Euh, on va pouvoir le faire avec, euh, avec Lightroom. Simplement, il va falloir le faire par petite, euh, par petite touche Mais d'un autre côté, ça gêne, ça gêne pas forcément. Euh, on va quand même le faire. Allez, pour le fun. Donc là, on prend euh, ici euh, correction des défauts, hein, comme d'habitude. On va déjà s'occuper de ça. Voilà, donc là il a pris une zone, c'est très bien. Ensuite, on va s'occuper de la partie en bas là. Donc là il a pris une autre zone. Là on va s'occuper de d'une partie, on va alors là on va plutôt se mettre en dupliquer ce coup-ci. Alors dupliquer, non, ça se verra trop, dupliquer. Encore que. Encore que. Alors, et ensuite ici, on va passer comme ça. Là, on va voir ce qu'on peut faire. Quelque chose comme ça, simplement on va prendre un contour progressif. Voilà. Et euh, on va s'occuper de cette partie-là aussi. Voilà, quelque chose comme ça. Ok. Il va prendre... Euh, il a pris une zone qui était où? Alors là je fais majuscule slash pour lui le faire changer de zone. Voilà, et on y à parlé, je vais prendre une zone qui est plus, plus torturée là-bas, avec un contour progressif. Vous voyez, moins important, plus important, pour que ici le S, là, il soit un peu comme le reste. Alors on va voir ce que ça donne. Ça, qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui n'est pas visible. On voit ici que c'est un peu visible, là, au niveau de ce rond-là, c'est pas terrible. On voit que ce bord-là est visible. Donc là, il suffit de repasser ici et d'aller se mettre en mode, ce coup-ci, on se mettra en mode corrigé. Je vais repasser là aussi, comme ça. Et un peu comme ça et on va aller prendre alors majuscule slash pour changer je vais aller le prendre par là voilà et là par contre je vais me mettre en mode corrigé très bien et donc là maintenant euh, ça devient difficile de voir qu'on a fait quelque chose voilà alors s'il si, y a encore le rond là le rond le rond est vraiment pas terrible hein. donc euh, je vais reprendre ce rond là si je me mettais en mode corrigé ça faisait quoi ouais en mode je ne sais pas trop. Ouais, en mode corrigé, c'est pas mal aussi. Allez. Voilà, comme ça. C'est pas mal, c'est très bien. On a, pu ce, on a pu ce trait qui est là. Et on a le trait là qui continue peut-être encore en bas. Un peu. Donc, on va prendre ça comme ça. Et on va prendre une zone qui est à côté. C'est très bien. On va, la, on va la descendre un peu par là aussi. Voilà. Et voilà. On a terminé. Alors, un peu de vignettage pour recentrer sur le sujet, éventuellement. Un vignettage, vignettage, c'est ici. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça. Et j'aurais tendance à dire que j'ai terminé. Bon, ben bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc vous voyez, pas, euh, pas euh, trop compliqué. Hein. Il suffit, il suffit d'y aller, aller doucement. Mais si on fait un avant-après, donc avant-après. Moi je l'aime bien, bien en noir et blanc et je pense que de, le fait d'avoir retiré des éléments un peu parasites, euh, c'était nécessaire. Alors là on voit encore un, un truc là qui est pas beau là, dans le coin. Je ne sais pas ce qui se passe. Il euh, y a un truc qui est un peu sombre dans le coin. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer... Voilà, de prendre une grosse zone. Euh, une grosse zone comme ça. Qu'on irait prendre par là. Voilà. Et celle-là, je vais la déplacer un peu par là. Voilà. Quelque chose comme ça. On va prendre un peu plus. Voilà. Terminé. Parce que là, c'était, il, il y avait un petit bord sombre qui n'était pas terrible. Alors ensuite, si vous n'aimez pas... Euh, parce qu'on voit qu'il y a des espèces de marques là comme ça. Bon, bah, c'est pareil. Hein, si vous n'aimez pas ces marques-là, vous prenez... Euh, Ici, une correction des défauts, vous passez, euh, vous passez simplement dessus, ça vous prend la zone d'à côté et les marques elles ont disparu. Euh, donc, ça vous, vous le faites autant que vous voulez par rapport à la texture, euh, la texture du truc. Allez, ce coup-ci c'est vraiment terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des idées et puis on se retrouve la prochaine fois. Merci, au revoir.